Voici donc le cinquième accord Toltec qui permet de compléter les quatre autres et d'aller encore plus loin dans la connaissance de soi, dans l'observation et dans la prise de recul par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit ce cinquième accord? Soyez sceptique. Écoutez, observez. Il amène à ne pas croire tout ce qui est dit, ne pas croire ce que je dis, ne pas croire ce que lui-même, Don Miguel Ruiz, dit. Soyez sceptique des choses, observez, allez chercher des informations autour de vous. Prenez le temps d'écouter différents sons de cloche, comme on dit. Prenez le temps surtout d'expérimenter et d'écouter à l'intérieur ce que ça vous fait. Les Québécois ont une très jolie expression là-dessus, c'est ça me fait oui ou ça me fait non. Voilà, pour quand quelque chose vous arrive, quand vous entendez quelque chose à mettre en pratique, à faire une nouvelle habitude, un nouveau rituel ou des informations qui peuvent circuler, prenez le temps d'écouter, d'aller voir des choses dites par d'autres personnes. Prenez le temps de vous poser pour écouter à l'intérieur de vous. Est-ce que ce que me dit cette personne-là, ça me fait plutôt oui, j'ai envie d'y aller. Et ce que me dit cette autre personne, je suis sceptique, j'ai des doutes. Je vais continuer de me renseigner. Pour l'instant, j'ai plutôt un peu l'impression d'être en retrait. On sent en fait le corps, quand on prend le temps de se poser, on sent le corps qui va aller de l'avant ou on sent le corps qui va aller vers l'arrière. Voilà, je vais pouvoir tomber éventuellement. Donc, soyez sceptique, observez, écoutez et prenez le temps de construire votre niveau de conscience de plus en plus et de pratiquer aussi les quatre autres accords. Donc voilà, c'était le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc évidemment, je vous invite à lire le livre, je vous l'attrape tout de suite. Voilà, c'est un petit livre de poche, donc vous voyez, il n'est pas très épais. Donc il y en a un autre pour le cinquième accord parce qu'il répète les quatre premiers. Et il y a un autre ouvrage, il y a même plusieurs autres ouvrages qu'il a écrits que je vous recommande également qui permettent de prolonger le travail que l'on peut faire sur soi en observation. Et quand on est mieux avec soi-même, et ben naturellement, on est beaucoup mieux avec les autres. Sur ce, je vous souhaite très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Bonne continuation!